Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de SMTV, c'est Pierre-Emmanuel, très heureux de vous recevoir aujourd'hui et aujourd'hui on a une invitée d'honneur que je connais bien et qui s'appelle Cézaltina. Cézaltina, comment vas-tu? Ben, je vais bien, merci. Ok, super. Et toi? Ouais, très très bien. Donc il se trouve en plus que cette semaine tu as déjà donné ton témoignage, oui. C'était pas prévu, non. Tu étais en Suisse, tu t'es retrouvé invité sur un plateau aussi et tu as donné ton témoignage. Ouais. Donc je pense que c'est un temps, hein, et en tout cas, pour témoigner. C'est la semaine du témoignage pour toi. Et ben c'est ouais. Super. Ouais, ouais. Donc bienvenue et puis on va écouter un peu ton histoire. Moi la connaissant un peu, je sais que c'est extraordinaire et ce que Dieu fait dans ta vie et le changement et le... Wow, le soulagement, toutes les choses d'où tu viens et d'où tu as été tiré. Donc, on va partager ça et je pense que ça aidera beaucoup de personnes qui vont s'identifier aussi à ton histoire. C'est le but. Donc, merci. Ouais, c'est le but. Merci beaucoup de partager et de ne pas garder pour toi et de faire l'effort et d'aider les autres avec ce que tu as vécu. Ce qui t'est arrivé. Dès le départ, parcours un petit peu compliqué. Ouais. J'ai immigré en France. Ouais, ok. Déjà, le rapport avec la religion était déjà assez compliqué parce que mes parents sont venus en France. Ouais. Et ils ont laissé ma sœur et moi en pensionnat chez des sœurs catholiques. Ouais, ok. Et ça ne s'est pas très bien passé. En plus. Mmh. Donc, déjà, le départ. Et donc, forcément. Ouais. Ouais. Donc, ensuite, après, ils sont venus nous chercher. Ok. Et à mes 12 ans, il m'est re-arrivé quelque chose avec un prêtre. Ok. Et là, je me suis dit, enfin, ça m'a choqué, énormément choqué. J'en ai parlé à personne, personne. Mmh. Là, je le dis à tout le monde, mais j'en ai pas parlé. Ok. Et j'ai rejeté complètement Dieu. J'ai dit, c'est pas possible, c'est le mal en fait. Pour moi, c'était le mal. Et à partir de là, dès qu'on me parlait, je me suis fermée, voilà, tout simplement. Ce qui se comprend. Voilà. Donc ensuite, c'était compliqué chez moi, relation très compliquée avec ma mère. Mon père était jamais là. Et ma mère, maltraitance psychologique, physique, rabaissement, humiliation, enfin, plein de choses, quoi. Donc j'ai grandi un peu comme ça. Violence, 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 pas spécialement d'amour, plus de la culpabilité. On était deux, il y avait ma sœur et moi, et tout le temps on était coupable qu'elle soit malheureuse, coupable de tout. On se disait, mais de quoi on est coupable? Et en fait, on était tout le temps coupable. Donc j'ai grandi comme ça. Vers 15-16 ans, ma sœur s'est réfugiée dans les études. Et moi, je me suis réfugiée dans les conneries. Voilà, donc deux tempéraments différents, deux sensibilités différentes, enfin, on était deux êtres différents. Donc, voilà, et après, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon futur mari, le père de mes enfants. Et là, ça n'allait pas de mieux, parce que ça, c'était le même cycle infernal qu'avec ma mère. Humiliation... violence physique, psychologique, et t'es une bonne à rien, et c'est de ta faute, si je suis comme ça. En fait, il disait les mêmes paroles que ma mère. Et je m'étais confiée à lui, et tout le temps, il se servait de ce que je lui avais dit contre moi à nouveau. En fait, c'était... tout le temps un rapport malsain dans lequel t'étais toujours... Ouais, toujours. Écrasé. Toujours écrasé. Et à force... qu'on vous dise toute votre vie que t'es nul, t'es con, t'es moche, t'es stupide, t'es rien, t'es comme une serpillière, parce qu'on me l'a dit. Ben, à force, on finit par le croire et on se dit, c'est moi qui suis mauvaise, je suis une mauvaise femme, je suis une mauvaise fille, enfin, je suis mauvaise en tout. Et j'ai vécu comme ça, quoi. Après, j'ai eu des enfants. Il y avait, je dis pas c'était tout le temps, mais il y avait des moments d'accalmie. Et puis après, lui, il avait des moments de repentance. Enfin, franchement, avec le recul, il faisait semblant, quoi. Enfin, voilà. Et mes enfants ont grandi aussi là-dedans, quoi. Voilà. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis retrouvée en psychiatrie. Et là, des traitements, mais...
je crois qu'il tuerait, ouais, très lourd, qu'il tuerait un éléphant, hein, ouais. Parce que même la psy de l'époque me l'avait dit. Hein. Mmh. Et donc, je l'ai très mal vécu. Et après, je suis rentrée chez moi. Et malgré les médicaments, malgré tout ça, là, il y a quelque chose qui avait changé en moi. Mmh. Et je m'étais dit, c'est bon, je ne veux plus me laisser faire. Mmh. Et j'ai commencé à taper du poing. Je voulais passer le permis. Je voulais travailler. Mmh. Parce qu'en fait, j'étais dans un huis clos, quoi. Mmh. Il m'empêchait. J'avais perdu tous mes amis. Enfin, mmh. vraiment... c'est de la manipulation. Hein. Mmh. Et puis, c'est des personnes qui sentent la faille et qui rentrent dedans. Et mmh. Voilà, donc voilà. Et j'ai commencé à taper du poing, etc. Et là, ça a commencé à faire son chemin dans ma tête. Je voulais le quitter. Mmh. Mais je ne savais pas comment. Je n'étais pas indépendante financière. Enfin, mmh. rien, quoi. Mmh. J'avais peur, mmh. tout le temps peur, mmh. pour moi, pour mes enfants, enfin... C'était compliqué. Mmh. Et j'ai commencé à faire mon petit cheminement, ce que je devais faire pour m'en sortir. Alors, ouais, j'ai tapé du poing tout le temps et j'ai trouvé du travail, j'ai réussi à avoir un CDI. Mmh. Et quand il a compris que j'étais plus sous son emprise, mmh. Les violences ont augmenté crescendo. Mmh. Et après, ça devenait dangereux, en fait. Mmh. Parce qu'il me disait tout le temps, mais tu vas mourir, je vais te tuer. Et je lui ai dit, mais de toute façon, je vais te quitter. Il m'a dit, tu sais très bien que si tu me quittes, t'es morte. Mmh. Et c'est qu'à la fin, en fait, j'arrivais plus à me taire. Et du coup, ben, je me taisais plus, du coup, j'en prenais encore plus. Mmh. Et puis, un jour, j'ai préparé mon coup, ça a duré longtemps, hein, très longtemps. Ça se fait pas comme ça. Hein. Mmh. Comme une évasion, quoi. Ouais, c'était ça, hein. Mmh. Une évasion, et je me suis sauvée. Mmh. Bon, j'avais tout fait pour récupérer mes enfants, j'étais voir des avocats, je m'étais renseignée. Mmh. Enfin, et à l'époque, pas de portable et pas mmh. d'internet, hein. Mmh. Rien, j'avais rien. Mmh. Et je me suis débrouillée bah, pour avoir un compte à moi, mmh. parce que j'avais pas de compte toute seule. Mmh. Et lui, il récupérait tout l'argent que je gagnais. Mmh. Et un matin, j'ai fait semblant d'aller au travail et... Il était parti pour de bon. Et je suis partie, j'ai attendu que lui s'en aille au travail, je suis re-rentrée. Okay. J'ai pris 2-3 bricoles parce que j'ai rien pris en fait. Mmh. Hein. Et je suis partie. Mmh. Et après, bah, je suis repartie à zéro. Après, ça a duré encore 4 ans. Harcèlement, il a failli me tuer plusieurs fois, enfin, plein de choses quoi. Mmh. Mais bon, on n'est pas là pour parler non plus, mmh. pour détailler, mais voilà, c'était compliqué. Et ça a duré combien de temps, toute cette période-là? Donc, bah, je suis restée, j'ai été avec lui pendant 24 ans. Okay. Et après, quand je me suis sauvée, après, il y a eu 4 ans en plus de harcèlement. Après l'avoir quitté. En tout genre. Okay. Voilà. Et ouais, toute une vie, quoi. Ouais, mmh. ouais. Donc, quand ça s'est arrêté, j'avais en gros... 45, 46 ans, quoi. Mmh. J'avais une amie d'enfance que, quand je l'ai rencontrée, lui, ben, je l'ai perdue. Enfin, j'ai perdu tous mes amis, quoi. Mmh. Je l'ai perdu de vue, je l'ai perdu. Et c'était quelqu'un qui... on s'aimait beaucoup et tout. Et là, un jour, ben, le hasard, mais maintenant, je sais que c'est plus le hasard. Mmh. J'ai retrouvé mon amie d'enfance. OK. Ma chère amie d'enfance. Et psychologiquement, on était un peu toutes cassées, toutes les deux, okay, voilà. Ouais. Donc, ben, on a fait des bêtises, enfin, on essayait de trouver le bonheur, de trouver un sens, tout ça. Et Mimi cherchait plus que moi, quand même. Okay. Moi, Dieu, c'était barré, c'était mort. Alors qu'elle, non, elle avait quand même ce côté spirituel. Okay. Moi, je cherchais plutôt dans les trucs de science-fiction, enfin, voilà. Okay. On était quand même différentes là-dessus. Ouais, ouais. Et puis à force, voilà quoi. Et un jour, elle vient me voir et elle me dit, écoute, on a tout essayé, toutes les deux, pour être bien et tout. Je lui dis, ben oui. Mm-hmm. Et elle me dit, et t'es bien? Je dis, ben écoute, j'ai connu tellement pire, mais c'est pas non plus super quoi. Ouais. Voilà. Et elle me dit, ben je vais te parler de quelque chose. Okay. Alors, elle commence à me parler de Jésus. Okay. Et là, très mauvaise réaction. Je lui dis, non, non, mais ton Jésus, là, ça me saoule en fait. Hein. Mm-hmm. Laisse-moi tranquille avec ça et tout. Mm-hmm. Puis après, elle me dit, mais tu me fais confiance quand même. Mm-hmm.
Je lui dis oui, oui, c'est vrai, je te fais confiance. Elle me dit, bah, je te demande juste, écoute-moi, quoi. Mmh. Et du coup, elle a commencé à me parler. Et je l'ai écoutée. Mmh. Et je rentre chez moi, et là, ça commence à me travailler. Mmh. Et la curiosité, quand même, et puis... Puis, un truc qui m'a quand même marqué, c'est... elle m'a dit, mais en fait, Jésus, il nous aime. Mmh. Et... moi qui ne m'aimais pas moi-même, okay. Je me disais, mais comment quelqu'un qui ne me connaît même pas en plus, mm-hmm. Je croyais que c'était une légende, enfin, mm-hmm. J'ai vécu un peu comme ça, quoi. Ouais. Je me dis, il ne me connaît pas, il m'aime. Mm-hmm. Je dis quand même et tout. Puis après, ouais, j'ai commencé à m'intéresser. Okay. Après, j'ai rencontré un ami à Mimi, Laurent, mm-hmm. De fil en aiguille. Après, j'ai rencontré Pierre, mm-hmm. Toi. Enchanté. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la Bible. J'ai mm-hmm. regardé des... Enfin, Mimi, elle m'aiguillait un peu. Mm-hmm. Laurent aussi m'a beaucoup aiguillée. Okay. Et après, vraiment... après, c'est venu vite, vite. Okay. C'est... Alors, quelle expérience, qu'est-ce qui t'est arrivé qui t'a... Je sais pas, qui t'a vraiment... montré ou qui t'a convaincu, qu'est-ce que tu as vécu après personnellement? Ah, ce qui m'a vraiment... la première chose, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, mais là, vraiment la première chose, c'est que je prenais des cachets et puis des tonnes de cachets antidépresseurs, mm-hmm. régulateurs d'humeur, en fait tout ce qu'on veut, pour dormir, tout. Mm-hmm. J'étais cachetonnée à fond. Mm-hmm. Et un jour, je me lève le matin, je dis c'est bon, j'arrête tout. Mm-hmm. Et je dis... ça faisait 4 ans que j'essayais d'arrêter. Hein. Okay. Et je disais, mais j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en moi. Okay. Il faut que j'ai confiance en moi. Si Jésus, il arrive à m'aimer, mais il faut que j'arrive à m'aimer et à croire en moi quand même. Mmh, mmh. Et j'ai arrêté comme ça, okay. Du jour au lendemain. Donc tu as mis ta confiance dans Dieu, dans le nom du Seigneur que tu venais de découvrir. Ouais. Et tu as arrêté d'un coup comme ça. Ouais. Mais vraiment d'un coup, ça n'a pas été progressif. Ouais, ouais. J'ai tout arrêté, du jour au lendemain. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne dis pas que ça a été facile. Hein. Ouais, ouais. J'étais en manque, mon corps était en manque. Okay. Hein. Tu vraiment, c'était manque. Des drogues hein, quand et même. Ouais. Ah oui, je ressentais le manque, je le ressentais. Tout, c'était difficile, compliqué, okay. mais j'ai tenu. Ouais. Et je voulais montrer à ma famille que avant, quand on parlait de moi, c'était la cinglée, la bipolaire, mmh. et je ne supportais plus cette étiquette. Mmh. Et je voulais leur montrer que par la foi, on pouvait sortir de soi et faire des trucs qu'on croyait impossibles. Mmh. Parce que pendant 4 ans avant, j'ai essayé, à chaque fois, j'ai rechuté, après dépression, après, c'était compliqué. Là, je ne dis pas que c'était facile. Ouais. Mais tellement plus léger, enfin... Et puis, ça a marché, quoi. Et ça a marché. Tu as réussi à en sortir. Ah ouais, ouais. Définitivement. Définitivement, définitivement. Donc, il y a eu une différence entre ce qui avait été impossible, et là, même si c'était difficile, mais ça a été réalisé. Ça a été réalisé, voilà. L'impossible a été réalisé. C'est ça. Avec des difficultés, mais ça a été réalisé. Ouais. Et puis, quand même, moi, je me souviens, à l'hôpital et tout... on nous lave le cerveau aussi quelque part, parce qu'on me disait, une bipolaire, ça prend un traitement toute sa vie, si tu ne prends pas ton traitement, tu vas te suicider, enfin. Ouais. On nous dit des choses comme ça, en fait. Ouais, bien sûr. Et moi, dans mon petit cerveau, enfin dans mon cerveau d'abord, pas mon petit cerveau, je me disais tout le temps, mais non, je ne suis pas bipolaire, il se trompe. Mmh. Mais à force qu'on me le dise, comme le reste, j'ai fini par le croire aussi. Mmh. Voilà. Et l'accepter, Mais il y avait toujours ce côté rebelle qui me disait, mais je veux leur montrer quand même que non, que moi, non. Mmh. Et j'y suis arrivée. Ouais, ouais. Donc il y a eu ça. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ah, ouais. Et puis il y a eu aussi le pardon, quoi. Okay. Le pardon par rapport à ma maman. D'accord. Dont je m'occupe maintenant. Elle a un début d'Alzheimer, c'est très compliqué. Okay. Donc c'est toi qui as réussi à pardonner. Ouais. Ta mère, par rapport à tout ce que tu nous as parlé, c'est ça? Ouais, chose qui, humainement, devait être pas facile, peut-être même... Très difficile. Je mentirais en disant que ça s'est fait comme ça. Hein. Ouais. Non, c'était long, douloureux pour moi. Mmh. Et pourquoi tu as voulu lui pardonner? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parce qu'aujourd'hui, je ne vois plus les choses sous le même angle. Okay. Maintenant, quand je...
Avant, j'étais un peu comme ça aussi, mais maintenant, encore pire. Quand je rencontre quelqu'un, ou quelqu'un de ma famille qui m'a fait du mal, ou, je me dis, mais le pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il en arrive là? Je me mets tout le temps à la place de la personne qui est en face de moi. Okay. Même quelqu'un de très mauvais. Ou... Ouais, bon. Tu essaies de comprendre, d'avoir compassion un peu de cette personne. Ouais, ouais, ouais. Donc, au lieu de penser à toi, tu penses à l'autre. Ouais, ouais. Même si tu as été lésé. Tu essaies de comprendre et d'avoir compassion. Et une chose que je pensais impossible, hein, c'est serrer ma mère dans mes bras. Mmh. Bah, je l'ai fait et je ne l'ai pas fait pour lui faire plaisir. Ou... Je l'ai fait parce que je ressentais le besoin de le faire. Mmh. Voilà. Bah, ton cœur était là. Voilà. Tu as fait Donc tu as pardonné, tu as pu pardonner vraiment de tout ton cœur. Ouais, ouais. Ah. Et ça aussi, c'est l'évangile. Ah bah oui, oui. Donc ça a amené aussi une. J'imagine un changement. Et j'ai pardonné aussi au père de mes enfants, quoi. Ouais. Ça, alors là, ça c'est encore, je crois, pire que quoi. Ouais. Enfin, pire que tout, je me comprends. Ouais, plus je pensais que c'était. Irréalisable. Voilà, irréalisable. Ouais. Et le jour où je l'ai croisé. Avant, je le croisais, j'avais les poils qui se redressaient, le cœur qui battait fort. Mmh. Et là, rien. Bonjour, il me dit bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va mieux ton dos? Les filles m'ont dit que ton dos, t'avais mal au dos et tout. J'espère que ça va aller. Même lui, il m'a regardé, l'air de dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et en disant ça, je me rendais compte que c'était même pas hypocrite, que c'était réel, que ce que je disais, je le pensais. Ouais. Et, tu t'intéressais? Ouais. Mmh. Après, c'est pas mon ami, hein. Oui, oui, oui. Et j'oublie bien pas. Sûr, bien sûr. Mais il n'y avait pas la haine ou il n'y a plus la haine. Même de forcer, en fait, faire semblant. Ou... Voilà, c'était pas du semblant. Ouais, ouais. Et je pense qu'il l'a ressenti ça. Et ouais, la haine justement. Avant, j'avais quand même beaucoup de colère, de la haine. Et en fait, la haine, c'est un poison. Ça se distille dans tous les pores de sa peau et on s'en rend même pas compte en fait. Et aujourd'hui, mais toi, j'ai plus cette haine, quoi. Je dis pas que je suis parfaite, hein. Personne n'est parfait. Bien sûr qu'il y a des fois, ça montre. Ouais, voilà. Mais en plus, moi, je suis quelqu'un d'impulsive. Ouais. Mais déjà, j'ai appris, par exemple, quand je suis dans la colère, je me retire et j'attends, je réfléchis. Je suis plus impulsive comme avant. Avant, j'étais très impulsive. Hein. Ouais. Moi, je rentrais direct dedans. Hein. Dès qu'il y avait un truc, j'avais du mal à me contrôler. Hein. Okay. Et n'importe qui était en face. Hein. Ouais. Donc, j'avais souvent des ennuis. Ouais. Et maintenant, je me retire et je réfléchis à la situation. Et je ne sais pas comment expliquer. Jésus, la parole est souvent... quand je lis, mais je dis, ouais, ça c'est pour moi. En fait, avant, j'en suis persuadée aujourd'hui, si je suis encore de ce monde, mais il était là, quoi. Mais tellement de fois, je pense qu'on peut m'appeler trompe-la-mort, hein, parce que m'arrivaient des sales trucs, vraiment. Et puis, je pense qu'aussi, dans certaines circonstances, je pense que je cherchais. Je cherchais à mourir, quoi. Je comprends. Parce que. Tu es en souffrance. Voilà, tu quand prends on des est risques, tout. Tu t'en fiches de toi. Voilà, et c'est t'es ça. Tu es prêt à t'abîmer, même si après tu vas le regretter, mais tu es dans. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bien sûr. C'est ça. Et je me rends compte aussi que mes enfants, malgré que je les ai élevés dans ce côté athée. Oui, ils ont vécu une période, bien sûr. Aujourd'hui, je trouve qu'eux aussi, ils changent. Bon, ils ne croient toujours pas, mais ils deviennent plus sages, plus calmes. Et je pense que c'est à mon contact, mais ce n'est pas moi, en fait. Enfin, c'est moi, bien sûr, mais ce n'est pas que moi. Il y a un effet aussi ricoché, quoi. C'est ça. J'en suis persuadée, vraiment. Tu le vois, quoi. Ouais, je le vois. Et comme Laurent disait aussi... moi, quand j'ai découvert tout ça et tout, j'avais envie de le partager et de leur dire, vous êtes dans l'erreur. Mais en fait, j'étais maladroite parce que moi, je suis un bébé encore. Hein. Et du coup, ça a fait effet boomerang et tout le monde m'a dit, mais t'es dans une secte. Enfin, j'en ai pris plein la tête, quoi. Et maintenant, ils ont compris que...
C'est ton chemin. Que c'est mon chemin. Et même mon propre compagnon m'a dit, t'es caché, parce qu'il m'a connu avant, quoi. Oui, oui. Il m'a dit, t'es caché, mais c'est ta foi. Même lui qui ne croit pas, me dit, c'est ta foi qui a fait ça, quoi. Ouais, qui m'a porté, quoi. Et qui m'a libéré. Ouais, 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 complètement. Je cherche du travail, tout ça, mais en fait, mais ça m'aurait miné avant. Et je trouve que les choses sont plus légères. Mmh. Et souvent, je sais pas, moi, je parle à Jésus, je dis, ouais, je sais, des fois, je suis maladroite, ou, mais dis-moi, quoi, et pas peur. Et des fois, bah, j'ai des messages comme ça, et les choses qui m'arrivent, quoi. Je dis, non, mais c'est vrai, Dieu, on ne sait pas le plan qu'il a pour nous. Mmh. Mais en fait, c'est obligé. Je me rends compte qu'il a un plan pour moi. Alors, lequel je sais qu'il y a le livre, ce fameux livre, que je bloque, que si, que je reprends, je redémarre, je repars. Ah, le livre que toi, tu veux écrire. Voilà. Ah, tu sens qu'il faut que tu écrives. Et vraiment, je le sens. C'est mais super. Ça fait des années que je le sens, mais okay. Encore plus aujourd'hui. Bien sûr. Mais j'ai commencé à l'écrire, je n'étais pas en Christ. Mmh. Et après, il y a des choses qui me dérangeaient. Eh oui, oui. Je parlais, il y avait de la colère, il y avait de la... Ouais. Et je ne veux pas ça, en fait. Ouais, ouais. Tu veux communiquer de nouvelles choses aujourd'hui. C'est sûr, ça. Bien sûr. Donc, bah, ça prendra le temps que ça prendra. Mais tu as toujours ce projet. Et quelqu'un, quelqu'un de super, Alain Odersette, m'a fait comprendre qu'en fait, il faut retravailler et retravailler. Mmh. Et lire beaucoup, beaucoup. De lire d'autres choses... Sûr. Eh ben, ça nous apprend aussi. Ouais, et pour voir comment c'est. Et c'est pas en claquant des doigts, c'est, sûr, un travail, c'est un travail long. C'est et... du travail. Voilà. Mm-hmm. Après, ouais, j'ai toujours lu beaucoup, mais. Mais. Je sais pas, le Seigneur, il me transporte, il me guide. Mm-hmm. Ah, c'est une vie vraiment nouvelle. Et puis, du coup, tu as des perspectives, quoi. Tu as des projets nouveaux, des choses constructives. Mm-hmm. Déjà t'es bien, déjà tu et puis voilà tu t'engages dans de nouvelles choses quoi. L'horizon c'est ouvert pour toi. Ouais, c'est différent. Ouais. Wow. Il y a juste une chose, Seigneur, c'est que je sais pas gérer. J'ai trop de choses dans ma tête, de projets et ça part dans tous les sens. Et ça, faut que je prie parce que j'y arrive pas quoi. Ah. J'arrive pas à savoir exactement ce que je dois faire, ce que je veux faire. Parce que je veux faire trop de choses et je veux aider trop de gens parce que je suis dans une association aussi. Okay. Et là, c'est pareil, je veux aider trop de gens et, à la fois. Et bouf, des fois... ça fait trop. Ça fait trop, ouais. D'accord. Et je pense aussi que Jésus m'a appris à être patiente envers moi-même. Parce que je suis trop... Je veux trop et... Tout de suite, essayer de réussir tout d'un coup. Mm-hmm. Et non, c'est pas comme ça. Mm-hmm. Pour que j'aide les autres, j'ai appris ça aussi. Mm-hmm. Il faut que moi, je sois bien. Mm-hmm. Et que je vois... Et ça, c'est pas encore gagné parce que je suis quelqu'un de speed. Et... Okay. Mais j'ai quand même cette paix... un nouveau fondement. Ouais, ouais, carrément. Wow. Et puis même, je sais pas, il y a tellement de choses que je me rends compte du monde où on vit et que je me dis, oh Seigneur, mais... Souvent, je me dis, mais le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il est patient envers moi, mais envers le monde, bien quoi. Sûr, c'est sûr. Mais ouais, il est amour, alors... Cet après-midi, j'ai été étonnée de moi, parce que je ne sais pas encore trop bien parler aux gens. Je suis plus douée par écrit. Mmh. Mais cet après-midi, j'étais voir une amie qui... Et là, je lui parle de Jésus, comme à chaque fois, elle ne croit pas du tout. Okay. Et je n'arrive pas à me rappeler ce que je lui ai dit. À chaque fois, ça me fait ça, je ne sais pas pourquoi. Et il y a un moment, je lui ai renvoyé un truc, et là, elle m'a dit, ah, là, tu m'as scotché. Ah, je lui ai dit, t'as vu, tu ne sais pas quoi me répondre. Mmh. Et là, j'ai dit, bingo. Et c'est la première fois que j'arrive. Et je lui dis, écoute, réfléchis-y. Et on est resté là-dessus. J'ai pas voulu. Bien sûr. Mais je crois que ça y est, je commence à me débrouiller. Bien sûr. Bien sûr. Après, oui, c'est tout nouveau, quoi. Là, ça fera. Le 7 octobre, ça fera 2 ans que Mimi et moi, on est baptisés. Ok. C'est bientôt là, dans 2 jours. Ouais, c'est l'anniversaire, ton anniversaire de baptême. C'est ça. Dans 2 jours. Une nouvelle naissance, quoi. Super, magnifique. Et ça aussi, j'en garde un magnifique souvenir. Mmh. C'était vraiment quelque chose de super. Enfin,
Et puis la maison du gospel, enfin, toutes ces choses que j'imaginais pas parce que les gens sont tellement dans la religiosité, quoi, la religion. Et moi, j'ai toujours dit, je suis contre la religion. Mmh. Mais ça, c'est pas une religion, c'est. C'est vivre avec Dieu. C'est une relation. Ouais, c'est une relation. Mmh. Et quand je vois. Là, j'ai côtoyé Alain Auderset tous les jours, pendant une semaine. Okay. Mais cet homme, il est transporté. Mmh. Et il m'a transporté. Mmh. Il m'a fait faire des choses que. J'aurais jamais osé, et même là tout de suite, quoi. J'ai souvent hésité, parce que les peurs... Après, c'est marrant, parce que les peurs reviennent. Genre, ouais, si mon ex-mari voit la vidéo, ou... Et après, je dis non, t'as plus peur, en fait. Mais il y a quand même ce truc qui revient, quand même. Hein. C'est pas la seule, hein, tu sais, tout le monde. C'est un travail... Bien sûr. C'est long. Mais tu es là. Hein ? Mais tu es là. Et je suis là, donc, ouais. Tes peurs ne t'arrêtent plus. Et en venant, je disais, je vais peut-être dire à Pierre que je le ferai pas. Hein. Ah. Mais non, tu m'as rien dit. Hein. Et non, je t'ai rien dit. Tu l'as quand fait. J'ai vu Laurent, j'ai dit, ouais, faut que je le fasse aussi. Ouais. Ça en fera deux, quoi. Brillamment. Tu l'as fait brillamment. Merci. Ah, non, merci à toi. Merci pour ton témoignage. Et je pense que c'est passionnant et que ça montre que Dieu est là, quoi. Et que si on se tourne vers lui, mais même des situations longues qui ont duré, qui semblent impossibles, et dans lesquelles on se dit, mais même moi, si je sors de la situation, tu es sorti de la situation, mais tu peux dire, maintenant je suis quand même cassé, comme on t'avait dit, intérieurement, je ne vais jamais m'en sortir. C'est ça. Et tu es sorti de la situation, mais la situation est sortie de toi aussi. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment le miracle de l'évangile, quoi. Et j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui sont sous emprise, parce que, il n'y a pas que des femmes. Hein. Ouais. Il y a des enfants sous emprise de leurs parents. Bon, après, les enfants, les pauvres, voilà, c'est compliqué. Mais il y a des hommes aussi. Bien sûr. Mais j'ai envie de leur dire, déjà, personne n'est rien. Ouais. Personne n'est une... dans la Bible, un passage que j'aime beaucoup, je ne le sais pas exactement, parce que je ne connais pas encore ma Bible par cœur. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais voilà. Puis c'est pas le but, c'est de comprendre quand même. Exactement. Voilà, c'est pas non plus d'apprendre du par cœur, ça rien comprendre. Bien sûr. Et en fait, on est des cailloux, et à l'intérieur du caillou, il y a le diamant, quoi. Mmh. Et on est tous comme ça. Il faudrait qu'on se voit tous comme ça. Parce que comment certaines personnes arrivent à mettre tellement plus bas que terre d'autres personnes, et qu'elles arrivent à les convaincre qu'elles sont rien, mais c'est pas vrai. Bien sûr. Franchement, n'hésitez pas à faire appel à Dieu, à Jésus. Aide-moi, quoi. Moi, j'ai pleuré à genoux dans mon jardin. Aide-moi, s'il te plaît. Quand avec ma mère, c'était tellement compliqué. Et voilà, quoi. Après, il ne faut pas... on bouge. Non, il faut se bouger aussi. Ouais. Enfin, ça ne dépend pas que de lui. Oui. Ça dépend de nous aussi. Il faut que nous aussi... Demander l'aide de Dieu et à ce moment-là, commencer d'agir. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où je vais. Hein. Je vais dans l'inconnu, mais je vis au jour le jour. Et ça, je ne savais pas faire avant. Je vivais dans le passé, où je me tracassais pour le futur. Okay. Là, je ne sais pas où je vais, mais je lui fais confiance. Il m'a guidée en Suisse. Un truc de fou, ça aussi, c'est une histoire incroyable. Donc, j'ai plus qu'à faire confiance et dire à toutes ces personnes... Et puis, ces femmes, s'il vous plaît, l'homme n'est pas là pour nous écraser, bien quoi. Sûr, c'est pas l'homme est là pour nous aimer, nous respecter, et que ça soit homme ou femme, enfin, que ce soit réciproque. Et c'est ça que Dieu veut. Absolument. Dieu veut pas qu'on domine telle personne ou qu'on lui dise t'es nul, t'es con, t'es moche. Et on ne doit pas accepter. Et on doit, oui, de très se important. Non très, respecter. Très voilà, important. Un accident, une fois, verbal, mais dès que ça devient physique, des accidents réguliers, c'est anormal. J'ai même envie de dire verbal aussi. Hein, ouais, bien sûr. Parce que le verbal est très bien important. Sûr. Non, mais une parole, fois, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Mais quand ça devient tout le temps, le manque de respect. Non. Et le problème avec des personnes comme j'étais et d'autres, c'est que souvent, ça vient de l'enfance. Et c'est des traumatismes qui n'ont pas été guéris, soignés, etc. Et donc, cette personne, elle est dans l'optique, je ne vois rien. Et le cheminement fait qu'elle tombe sur des personnes qui le sentent. Qui réappuient ça encore. Et qui profitent de ce pli qui est un petit peu là. Et moi, ça a duré, mais ça a duré aussi à mon travail, en fait.
Et pourtant, j'ai toujours été quelqu'un qui se révoltait et tout, mais en fait, je ne sais pas expliquer l'emprise. C'est quelque chose que, vraiment, si on ne l'a pas vécu, les gens ont du mal à comprendre. Ouais, ouais. Mais c'est réel. Ouais, c'est dur à comprendre. Ouais, ouais. Quand on est sorti de ça, qu'on l'a vécu, voilà. Mais beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Mmh. Et souvent, on dit, bah, si t'es resté, c'est que t'aimais ça. Non. Alors ça, qu'est-ce que je l'ai entendu souvent, hein. Ah oui. Incroyable. Incroyable. Bah ouais, bah c'est pas si simple, en fait. Bien sûr, personne. Et puis, en plus, j'avais trois enfants, bien quoi. Sûr, c'est pas comme... C'est sûr que s'il n'y avait pas eu d'enfants, peut-être ça aurait été différent. Mais... Et puis même, c'est pas... On va pas accepter ça. On va pas accepter. Voilà. Je crois que le premier... la première claque, faut dire... non, mais en fait, tu recommences plus jamais. Mmh. C'est la première et la dernière. C'est ça. Je te pardon, mais stop, quoi. Mmh. Ça suffit. Et si on est fragile, si ben, on l'accepte. Et on croit, en fait. Mmh. J'ai envie de dire, on croit qu'on mérite. Ouais. C'est puis il nous le fait bien croire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Dis, si je suis comme ça, c'est de ta faute. C'est toi qui me rends comme ça, voilà. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, acceptons pas ce petit jeu. Faut pas merci accepter. Pour ces conseils, parce que c'est vrai, c'est ce qui se passe et qui amène les situations. Mais le Seigneur t'a tiré de tout ça, t'en es tiré, tu t'es battu aussi. Et voilà, aujourd'hui, tu es cette nouvelle personne. Mmh. Et tu vas être une aide et une bénédiction pour beaucoup, j'en suis certain. Ben, j'espère vraiment, avec l'aide de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, d'aider plein de personnes qui sont encore aujourd'hui dans le cas que j'étais avant. Mmh. Quoi. Vraiment, d'ailleurs, dans l'association, c'est pour ça que j'y suis. Ok. Et parce que je suis déjà engagée, voilà. Super. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bien sûr. Souvent, on me dit, mais tu gagnes pas d'argent, tout ce que tu fais. Mais je dis, mais je m'en fous, je gagne autre chose. Bien sûr. Tellement mieux, quoi. Bien sûr, bien sûr. L'argent, je m'en fous, en fait. On peut pas acheter ce que tu as vécu. Non. Mais tu peux le donner à d'autres, tu peux aider d'autres à le trouver. Ouais. Donc, c'est ça. Et je pense aussi que... après, je ne suis pas sûre. Hein. Je ne suis pas sûre de tout. J'ai pas... Bien sûr. Voilà. Si j'ai vécu tout ça, mais il y a une raison quand même. C'est que mon témoignage, il faut qu'il serve à sauver des gens. Quoi. Bien sûr. Et en plus, si je les sauve et que je les accroche avec Jésus, mais alors là, c'est encore plus super. Bien, quoi. Sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, j'espère avoir les bonnes paroles... que ça vienne... mais ouais, il faut que je sois patiente aussi. Enfin, il faut que... voilà. Mettez sur la route, en tout cas. Okay. Merci beaucoup, Cézaltina, pour ton histoire, ton témoignage. C'est moi qui te remercie. Merci à tous d'avoir suivi aussi. Et moi, j'ai envie de dire merci à la mission du gospel, à tous les gens qui travaillent, toi, tous les gens que j'ai rencontrés, Mimi, mon amie d'enfance, et toutes mes frères et sœurs, que ben on est devenus amis, frères et sœurs. Enfin, des fois c'est comme ça, mais c'est la vie en fait. Mmh. Et voilà quoi. Okay. Mais moi, je sais aujourd'hui que j'ai plus de doutes et j'ai confiance. Amen. Voilà. Super. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Merci.